Maja. Tu n'as pas encore fini de charger la couche en face. Je suis déjà à la fin, maman. Ouais. À faire du deuil, si. Je suis même déjà fatiguée. Je demande. Oui. Tu as le programme du deuil? Moi, non. Mais je pense que Maëva doit en avoir. Maëva! Oui, grand-mère. S'il te plaît, viens. Même comme tu as succédé à la grand-mère, tu ne me cajoles plus. Tu ne me flattes plus telle qu'elle. Tu as le programme du deuil? Non. Le deuil est à Douala. Vous partez de Douala, vous venez à Yaoundé sans programme. Comment je vais faire comment? Maja, appelle ça. Nous savons que tu es le grenier de sagesse de la famille. Dans ce cas, appelle tonton Maurice. Allô? Oui, bonjour tonton Maurice. Le programme du deuil, c'est comment? Comment les Maëva sont venus sans le programme du deuil? Oh, d'accord. Elle va arriver ce soir avec. D'accord. Ok. Ah. En passant, elles sont même déjà les. On est assis comme ça, on veut déjà choisir les photos pour agrandir. D'accord. Elle arrive ce soir. Ok. Il dit que ma Hortense va venir avec ça le soir. Donc, on choisit les photos qu'on va agrandir. Quand ça avance au visage de moi. Bon, on m'a envoyé, j'ai les photos dans le téléphone. On choisit les photos qu'on va agrandir une fois. Là, j'appelle le photographe. Est-ce que ce n'était pas mieux? Tu vas appeler le photographe, ce ne sera pas trop délibérant. Ce n'était pas mieux qu'on aille dans un studio photo. Laissez ça comme ça. J'ai un photographe que je travaille avec lui depuis des années. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à travailler ensemble. Ouais, fais pas. Choisissons d'abord les photos. Là, hein. Il prend ton argent là, il disparaît dans la nature. Tu vas le trouver où? Ouais, Maëva. Pardon. Reculez si on choisit les photos. Ouais. Mais moi, je trouve celle-ci très, très bien. Parce qu'il a la canne traditionnelle. Ouais, entendons. Maman Eva, pourquoi tu es toujours comme ça? Bon, aux questions de pas pas s'entendre, laissons tomber. J'appelle mon photographe, il vient, on choisit ensemble une fois. Parce que depuis l'on fouille, chacun veut. On ne parvient pas à s'entendre sur les photos. Ok, on je vois. On va pas s'éterniser là. Je entends. Le temps nous tient vraiment. Attendez, j'appelle mon photographe, il va venir faire le meilleur choix avec nous. Donnez-le lui. Quand il viendra là, dès qu'il sélectionne l'autre là, je vais chop vos ten colo. Oui, allô. Donc. Oui, entraîne. Ah, il est déjà là. C'est ton photographe là. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Bon hiver, monsieur. Merci. Merci. Et où? Ça va? Ah, okay. Comment tu vas? Ça fait un bail. Ah. Madame, on est là. C'est dur. Ce qu'on voit, on fait. Ce qu'on ne voit pas, on ne fait pas. Où je suis là, je suis abattue. J'ai perdu mon grand-père. Ouais. J'ai dit que... Depuis quand, madame? Ça fait il y a 2 semaines. Mmh. Ça fait 2 semaines qu'il est mort. La levée, c'est vendredi. Il était malade. Il était vraiment malade. Il était franchement possible. Malade. Mes condoléances, madame. Merci. Ouais. Je t'appelais comme ça que tu choisisses tes photos là. Tu peux agrandir. Je veux que tu m'agrandis plusieurs photos. La levée c'est quand, madame? La levée c'est quand? Demain, c'est jeudi. Nous sommes mardi. C'est jeudi. Mais nous on voyage demain mercredi. Le corps quittera de Douala jeudi. Vendredi. Parce que le jeudi c'est la levée. Ça dort, ça quitte vendredi matin. Parce que l'enterrement de c'est samedi.
Et vous ne m'avez pas appelé depuis comment, non, madame? Laisse-moi comme ça, avec trop de choses. Je montais, je descendais, Douala, Yaoundé, tout ça, ce n'est pas facile. Ouais, je comprends. J'ai complètement perdu la tête. Ouais. S'il te plaît, ce que tu vas faire maintenant, tu vas prendre ça maintenant, tu vas vite faire au plus tard le soir, tu me donnes. Donnez-moi les photos, les photos. C'est dans mon téléphone. Dans mon téléphone. Ah, ok. Tu vas choisir ce qui est bien. Je te fais confiance. Ok, madame, ne vous inquiétez pas. Non, pour ça, je ne m'inquiète même pas. J'ai l'habitude de travailler avec toi. Ok. Voilà. Restons à leur voix. Si la mienne ne sort pas par nous. Bon. Je vais prendre par vous tout à l'heure. Comme cela. D'accord. Je ne veux plus sortir. On voulait à peu près même combien de photos? 5 photos, monsieur. 5 seulement. 6 ou 5? 5. 5. Sur quel format? Le format 6 secondes. Oui, ça c'est le 30-45. On veut comme ça 3. Une petite et une plus grande. Oui, madame, mais comme je vois. Presque toutes ces photos sont en portrait là. On va faire ça sur la dimension aussi. Il y a une photo au complet gris là qui est en entier. Oui, c'est ça ici. Ça peut être la plus grande. On va faire ça sur le grand format. Comme vous demandez l'autre pour mettre devant le cercueil là. Oui. Oui, c'est ça comme le format ici. C'est le complet gris là, non? Oui. Je vous ai dit que quoi? Ok, papa, je te fais confiance. C'est pas aujourd'hui que je te connais. Choisis des belles photos. Non, tu veux pas me faire ça. Ok. Bon, il y a ça également. Ok. Oui. Voici encore l'autre. Très joli. Ai, je suis fatiguée. À la canne des grands-pères. Voici l'autre alors. Le temps que ça vient là, je calcule alors directement. Vous connaissez le prix du format là, non, madame? Oui, c'est 30 000. C'est pas aujourd'hui que je travaille avec toi, okay. Donc 30 000 format, ma oui. Toutes les photos, tous les 5 photos ou bien? Mais c'est pour une photo. Ya, ma grand-mère, les photos de avec 12 000, on 30 000 fait tous les 5 photos. Tous les 6 photos. Vous faites la photo à quoi? Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Apprenez à respecter le travail de quelqu'un d'autre. Papa, c'est trop cher. D'accord. Quand je prends les 30 000, c'est pour faire le bon travail. Moi, je ne fais pas les bricoles que les gens font ici dehors. Moi, je travaille bien. Je travaille à la dame ici depuis 2 ans. Plus de 2 ans même. Elle connaît mon service, elle connaît le service qu'elle lui rend depuis. Donc, madame, s'il vous plaît, laissez-nous travailler comme on a l'habitude de travailler. Pardon. Je vous demande juste pardon. Chapeau, frère. Voilà. Fois 3. Bon, madame, il y a ce que vous voulez mettre devant le cercueil là. Mm-hmm. Oui. Bon. Ce qu'on appelle le 50-75. Mm-hmm. Puisqu'il est un peu plus grand que le 30. C'est toi qui connais. Bon. Fais ce roman. Oui. Tu me donnes. Bon, bon. Normalement, c'est 50 000. Bon, comme c'est le deuil, je contribue. D'accord, merci. Je vais vous faire ça à 40 000. Merci. Est-ce qu'il va nous offrir un pot comme ça pour moi? Ce matin, bon, le moyen là, madame. Madame, s'il vous plaît, laissez-nous travailler. C'est comment? Oh, c'est pas possible. Bon, plus le moyen là, 25 000. Au total, donc 155 000, madame. Ok. Je peux encore. Faites-moi confiance, madame. Non, je vous fais un travail. Ouais. Vous savez, depuis. Toutes mes photos. Les photos aussi, les photos, si on a fait plus de 10 ans. Ça, je connais. Plus de 10 mois ici, là, tu vois, la qualité reste toujours. Oui. Je ne doute pas de même la photo. La photo, ma première photo. C'est après ça, 2 ans et demi. Le travail est parfait. Attends, je ne vais pas chercher l'argent, il vient de donner. Attendez, je vais les expliquer, madame.
D'accord. Je vais d'abord vous expliquer quelque chose. La photo, si, madame. Écoutez. Non, écoutez. Regardez d'abord la qualité. Le papier, si, c'est ce qu'on appelle le mat. Il ne fait pas mes photos, le papier brillant. Vous me comprenez? Je laque mes photos sur le panneau. Je ne laque pas mes photos sur le bois blanc. Vous connaissez ce qu'on appelle le panneau? Vous connaissez ce qu'on appelle les... Alors, vous connaissez ce qu'on appelle photo mat? Vous connaissez ce qu'on appelle photo brillant? Vous connaissez ce qu'on appelle la chimie, madame? Non. Alors, vous ne connaissez rien du travail de quelqu'un d'autre. Mais vous venez seulement voir comment c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Madame, s'il vous plaît. Puisqu'on a non, déjà écoute, eu ouais. Je ne veux pas de problème avec vous. Moi, je regarde mon panneau, regardez l'épaisseur. Ça, c'est 35 mm. Et les photos que vous parlez là, c'est les histoires que vous faites avec l'étui de 5 mm, 8 mm. Madame, c'est comment? S'il te plaît, laisse-moi, vais chercher l'argent. Allez-y, madame, Dans tous les cas, maman, ce sont les... Madame, vous me comprenez? La pauvreté, c'est dans la tête et l'esprit. Vous me comprenez? Si vous êtes foiré, ce n'est pas mon problème. Moi, je fonctionne avec les bobos, madame. Maman, c'est ce qu'on voit, papa. On a une autre chose. Écoutez, en passant, de toutes les façons, je ne suis pas venu ici pour vous. Quelle est cette histoire où je donne mon prix? Vous commencez à faire des choses comme des enfants qui viennent de naître. Vous jacassez quoi? Laissez-moi faire mon travail. Et je floquane ici. Papa, porte l'argent, tu pars doucement sans nous insulter. Quel est votre problème? Porte l'argent, tu pars doucement sans nous insulter. Parlez des enfoirés comme ça. Merci, monsieur. Quand Oui. Ah. Bonjour. Bonjour. Ça comment? Ça va, madame. Tu es déjà là. Merci. Ah. Waouh, c'est super. Ah, avec toi j'ai confiance. C'est pas aujourd'hui que je te connais. Ok, madame. Bon, merci beaucoup. Ok. Je te rends compte quand je rentre. Ok, madame. Je t'appelle. Surtout, beaucoup de courage. Merci, madame. Ça va aller. Soyez vraiment forte. Merci. Merci. Maman, vous voulez l'agrandissement? Ouais, moi j'ai un photographe. Non, regarde, le photographe fait, nous on fait sur place et ça ne prend pas le temps. 5 minutes, on te fait l'agrandissement. Regarde, on te fait l'agrandissement comme ceci. Comme ceci en 5 minutes, maman, tu perds quoi en 5 minutes? En 5 minutes, regarde toi-même. En 2 minutes. Mon fils, en 2 minutes, maman. J'ai même la photo de ma petite soeur ici qui m'a demandé d'agrandir. J'appelle mon photographe, comme il est, comme on est en ville là, il me fait ça une fois. On peut faire ça sans votre photo. On fait ça là 5 minutes. Non, 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 je préfère souvent traiter avec mon photographe. Il me fait bien les photos. Son téléphone ne passe même pas. Oui, 2 minutes, en 2 minutes.
Mais si le numéro de ton photogramme ne passe pas, donc il a grandi une fois. Voilà, j'ai 5 minutes. Vous faites ça à combien? Bon, je peux vous faire ça à 7000 francs. Oui, 7000 francs. 7000, c'est cher. Ok, 6000. Maëva! Oui, maman. Tu vois ça? J'ai dit que miracle, Terminator. Je doute que la photo aussi soit la bonne qualité. Oh, mon frère, 6000 francs. Ma, tu entends ça? 6000? Maëva, tu dis dernier quoi? Dernier prix. Ouais. Bon, ça va, on coupe. Donnez-moi 5000. D'accord, 5000. Allez, agrandis, je suis là. Venez pas de vos 5000. D'accord, on va arrêter l'autre aussi. C'est la bonne qualité. Je suis vraiment sûr que c'est la photo qui va faire Maëva. Parce que moi, je ne veux pas courir le risque avec les histoires qu'on fait moins chez là. Maman, qui a peur de la mort, Murato? Essayons voir. Maëva, j'ai l'impression que c'est la même chose. Je ne vois même pas la différence. Hey, mon photographe me fait ça 30 000. Au même format, même dimension. Mon fils, 30 000, 5 000. Maman, si ça arrive que c'est ça, qu'il apporte la bonne matière, ici là, charge ton photographe là, c'est son arrêt de mort avec moi. Je te jure. Je ne pense pas que le gars là peut me faire ça. Mais maman, comment? Voilà ça, non? Voilà ça devant toi. À 5 000. Dès que quelqu'un est. 5 000. Ah, maman, tante Eva. On lui frappe. Allez, on fait un complot là, on l'invite. Quand il vient là pour un autre marché, tu lui présentes la photo que c'est l'oncle Mba qui a donnée et qu'il a fait ça à Douala à 50 000. Dès qu'il confirme que c'est la même matière, vous restez lui donner le macabre non que préparé, non? Je ne vais pas participer parce qu'il t'avait prévenu, tu ne m'as pas cru. Ouais, tu décharges ta souffrance là sur lui et tu décharges même la colère du deuil là sur lui. Hey, même dans les malins, on escroque les gens. Maëva, moi, il veut faire ses funérailles avant le temps. Laissez seulement. Il veut faire ses funérailles avant le temps. Non, 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 non. Ne tirez pas les conclusions. Ne tirez pas les conclusions. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne peux pas traiter avec quelqu'un de 2 ans qui vient me faire des choses comme ça. Merci. Laissez-le. C'est ce que moi, je me souhaite. Oui. Maître Lacœur. Oui, Maître Lacœur. Maître Lacœur. Maître Lacœur. Vous n'êtes pas dit dans la sauce. Maître Lacœur. C'est la même chose. Maman, où est la différence ici? Même dimension. Hein. Maître Lacœur. Ça fait 2 ans que tu travailles avec ton photographe. Regardez. 2 ans, c'est la même chose. La voix. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Tu nous avais raison. Maman. Je te donne tes 5 000. L'avenir Kennedy, non. Maître Lacœur. Aujourd'hui, confirme le code. Puis... Maître Lacœur. C'est 5 000. Oui. S'il y a même moyen, vous l'ajoutez 500. Maître Lacœur. Hey, Maître Lacœur. Un reliquat de 25 000. Ok, maman, vraiment, merci beaucoup. D'accord. Merci. Vraiment, vous me donnez juste quelques secondes, je prends l'emballage. Non, 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 ça va, merci. Ça va, merci. Maître Lacœur. C'est bon, merci. J'ai dit que... Allons à la maison. On va faire comme maman Eva a dit là. Je vais décharger ma colère sur lui. Non, moi, je veux faire ce funérailles. Moi. On va lui traiter. Merde. Qu'il ne... Dis pas seulement que c'est la bonne qualité. Mais si toi-même tu ne lui confirmes pas aujourd'hui pourquoi on ramasse la sangle quand ça a refroidi, je saurai que tu n'es rien grand. Mais jamais ça lit mes mains. Jamais. Non, non. Merde. Tu peux toujours dénigrer les soeurs parce que tu croyais qu'on venait m'enfiancer ton âme. Ouais, mais ne dis pas ça, ne dis pas ça, je n'ai jamais dit ça. Nous sommes dans la rue chaque jour, on monte, on descend. On fait le bail en salant. Quand on souffre comme ça, là, on sait aussi comment faire pour économiser. Vous qui restez sur place, on vous rationne en gros en détail. Vous dépensez comme vous voulez sans discuter. Bonjour, madame. Bonjour mon fils, tu es déjà là. Comment tu vas? Ah. Prends place.
se bat comme on peut, madame. Aïe. Ça va. Ah, madame. Ça essaie d'aller. La bouche prend. Avant de ne rien trouver. Ah, je suis rentrée du village. Enfin, si je t'ai fait appel, c'était pour te montrer la photo aussi. Mon oncle a oublié ça dans mon sac. Je l'ai appelé ce matin. Il m'a dit qu'il fait agrandir ses photos à Douala à 50 000. Je voulais que tu confirmes si c'est la bonne qualité comme celle que tu me fais souvent. Parce que je veux lui brancher chez toi. 50 000, madame. Oui. Branchez-le maintenant. Madame, regardez. On dirait même que c'est le même photographe qui a fait ça. Oui! Il dit, c'est le même travail. Donc, il n'y a même pas quelque chose à critiquer là-dessus. Mais, madame, c'est pour cette raison que je dis souvent, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Hein? Oui! Les relations aussi sont importantes. 50 000, vous voyez la marge? 50 000, 30 000. Quand je dis que je vous fais des faveurs ici, je vous lance, je vous fais des travaux tellement moins chers. Dernièrement, ici, pour les obsèques de votre beau-père, vos tantes étant qui racontaient quoi ici? Ah, vous voyez? Vous voyez? Madame, branchez-moi le plus tôt possible. Voilà, madame. Ça, mais, dois aller bien. Hein? Non, je dois aller investir. Maëva! Qu'est-ce qu'on fait ici? Maëva! Grand-mère! Viens! Po! Mais! Bonjour, maman! Mais! Maëva! 50 000? Oui, maman! S'il te plaît, explique-lui à combien, dis-lui à combien on a fait la photo aussi hier à l'avenue Kennedy. De l'église loin de Dieu. 5 000 francs. 5 000. 5 000. Comme tu passes ta vie à narguer ma soeur. D'ailleurs, même mon problème, c'est quoi? De quoi je m'en mêle? Hey, tantine, vous m'avez dit que c'est votre oncle qui a oublié ça dans votre salon, qui a grandi ça, non? C'est vrai que vous avez agrandi à l'avenue Kennedy. Tu as mal compris, c'est pas l'avenue Kennedy. Ben c'est maintenant que je comprends, tantine. Quand je mets à distance là, c'est où je vois qu'il y a vraiment une différence. C'est vrai. Au début, avec l'émotion là, je n'ai pas pris le temps de bien regarder. Ça, c'est le brillant. Ça, c'est le mat. C'est ça qui est le bon. Le brillant là, vous allez voir, vous ne pouvez pas faire 2 semaines avec cette photo, madame. Ça ne peut pas faire 2 semaines, cette photo. Ça va blanchir. Ça va se délaver. C'est ça le bon travail, madame. Bon, madame, je voulais un peu mettre à l'aise. On les toilettes. Tu te mets à l'aise, oui. Matiende! Matiende! Ne fais pas ça, madame. Matiende! Madame, ne fais pas ça. Tu parles. Matiende. Matiende, c'est qui? Ouais, madame. Je voulais me mettre. Matiende, voilà le photographe. Qui passe tout le temps ici à m'arnaquer pour agrandir mes photos. Le voilà. Yasson Léon. Donc, c'est vous le photographe? Quand j'ai eu le bac, c'est mon grand frère qui m'a appelé. Je voulais aller à l'université. Il m'a demandé d'être livreur dans son studio photo. Je livre seulement les photos, grand frère. Tu as allé agrandir combien de photos à ma mère? Mon grand frère, c'est mon grand frère qui a agrandi les photos. Je ne suis pas photographe. Maman, c'est lui le photographe? C'est lui, ma chère. Mon ami, tu as allé agrandir combien de photos à ma mère? Ça va être 8 photos comme ça. Hein? Tu ne parles pas de 200 photos. Dis au moins 50 photos, non? J'ai agrandi les photos chez toi pour donner à mes amis. Je n'ai pas fait la photo chez toi pour donner à... Tu parles de quoi? L'argent de 50 photos. 25 000 fois 50. Grand, ça doit être peut-être 15 photos. Hein. J'ai dit 25 000 fois 50. Tu me donnes pas. Grand frère. Hein? Maman. Laisse. Madame. Laisse. C'est mon affaire. Grand frère. Couche-toi. Tu voulais fuir, non? Je vais te...
traiter. Je vais te traiter. Non, on ne tue pas la créature de Dieu. Je vais te traiter. La machette. On ne tue pas quoi? On ne fait pas. On ne tue pas quoi? Non, grand, soyez humain. Pardon? Soyez humain. Tu as fait quoi, ma mère? Grand, soyez humain. En arcade de ton état. Soyez humain, grand. Mon ami, je vais te traiter. Grand, soyez humain. Couche-toi, je vais te traiter. Couche-toi, soyez humain, grand. Couche-toi, je vais te traiter. Non. Couche-toi, ma mère. J'ai 100 000. Tu as quoi? J'ai 100 000, grand. Donne d'abord les 100 000 ici. Donne ça ici. Grand, les petits voleurs. Donne. Va prendre le portefeuille. Maman. Pardon? Tu dis pardon? Je vous montre où il y a tu mon dis pardon? Je vous montre où il y a mon grand frère. Maman, c'est lui le photographe, n'est-ce pas? C'est lui le photographe. Tu continues à mentir. Voilà ce qui m'énerve, mon ami. Je n'ai jamais voulu. Tu dis que ta femme est cramée. Tu as dit après que tu ne dis pas. Mon frère. Tu dis après que tu ne dis pas. Je n'ai jamais voulu faire la photographie. Je ne fais plus jamais la photographie. Pardon? J'abandonne. Tu veux. Pardon.